Et voilà. Donc, mon épouse pour sa cuisine avec son assistant cuisinier, Tigrisou. Voilà, tout à fait. Alors, ça va être Et Boudzan. éboulant. Omelette cannibale, vous allez comprendre pourquoi. Et avant, il y a un petit apéritif que je vais vous apprendre avec la pâte feuilletée. Ou brisée, suivant votre choix. Mais moi, je préfère feuilletée. Paul Éric, ça dépend. Alors, Elle est sortie. elle est sortie. Je vais déjà préparer ça. Sortir ça pour. Voilà. Alors, alors. Il y a du monde là. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très cher la pâte. Non, c'est quelques dizaines de centimes d'euros. Bon, les, oui, pâtes, mon les pâtes brisées, je les fais en général moi-même. Alors. Elles sont où les grandes planches à bois? Premier tiroir. En dessous de la planche à bois. Voilà. Donc, vous étalez la... attends, on va enlever ça, je vais le mettre là-bas. Il y a toujours plein de livres, il y a des livres partout. Je me suis trompée d'endroit. Non, non, mais c'est moi qui les ai déplacés au mauvais endroit. Mais enfin, Boudzan, je ne veux pas vous voir là quand il y a tu la veux cuisine. Participer. Il y a encore du sanitaire. Attends, je tiens droit. Voilà, c'est bon. petite fripounette, notre chère. Voilà. Alors. Là, ce sont des livres sur la nature. Et là, ce sont des livres de cuisine, supportable. Vous savez tout, il y a toujours des livres. Alors, vous prenez du boursin. Du boursin ou assimilé. Hein. Ou assimilé, oui, bien sûr. Étant donné que... Fromage à fines herbes, on va dire. Étant donné que ça va passer au four, voilà. Pas nécessaire forcément de boursin et du tartare. Voilà, et donc vous en étalez... Je vais accrocher. Parce que mon épouse ne l'accroche pas, c'est qu'il est trop haut. Voilà. Voilà, ça y est, je suis reconcentré sur la cuisine. Voilà. Alors, c'est très rapide à faire. Et comme petit apéro pour le week-end, je vous assure que c'est un régal. Voilà. C'est effectivement très rapide à faire. Voilà. Et vous mettez ce que vous voulez dedans. Donc, pâte feuilletée, pâte brisée. Voilà. Vous en trouvez à 80 centimes, hein, carrément. Alors, vous pouvez la faire vous-même. Hein. La pâte brisée, c'est facile à faire. Hein. Farine, sel, du beurre. Aussi. Vous malaxez. Si vous êtes gourmand comme nous, du boursin, vous en mettez beaucoup. Voilà, vous allez mettre du boursin. Et après, vous avez le choix. Là, Linda, si... j'espère qu'il y aura assez. Oui. Oui, pourquoi? Oui. Voilà. Mes mains sont propres, hein, je me lave les mains, vous inquiétez pas. Hein. Pour une fois, on est, on n'a pas de jambon. Ce qui est extrêmement rare, ça va être une des premières fois où on se fait avoir. Voilà, donc vous voyez, je dis boursin, mais voilà, on ne prend pas du boursin. Hein. Comme ça va au four, c'est pas un problème. Hein. On n'est pas chez Rothschild ici. Voilà. Le boursin, je ne changerai pas, quasiment pas le, bout, non. Pas le goût non, c'est clair. Par rapport au truc de supermarché. C'est clair. C'est que chaque chaîne de supermarché a son fromage fines herbes qu'il fait. Non, le fromage, on met le prix voilà, parce qu'on a découvert le Beaufort et tout ça chez notre coopérative. Donc là, oui, mais pour ça... Voilà, encore un peu là. Donc je vous dis, moi, voilà, on est gourmand, on aime bien. J'aime bien que ça fonde. Voilà. Mon amour qui me corrige tout le temps avec son aimable. J'adore. Excuse-moi. Mais non, mais au contraire, t'as raison. Voilà. C'est ça, ma vie de couple.
Donc, voyez, en plus de l'omelette, et Paul Éric vous montrera sa soupe. Pardon. Oui. Ou une autre fois. Ça dit bon. Ah, mais je ne vais pas la faire ce soir. Ah, tu n'as pas la faire ce soir, d'accord. Parce que demain, on a ça comme entrée. D'accord. Comme je n'ai pas tout fini ce que j'ai à faire. Voilà. Du coup, hop, je la ferai demain. Voilà. Ce sera ma soupe. Bon, ce sera une demi-soupe aux légumes. Là. Et donc, vous faites. Voilà. Alors, vous pouvez. Donc, mettre... soit avec du jambon, soit avec du lard. Du jambon fumé. Voilà. Du jambon fumé ou des tranches de saumon fumé également. Que vous pouvez aussi. Mettre. Voilà. Là, il se trouve que c'est de la saucisse de Lyon. Voilà. Oui, de la martadelle, hein, parce qu'il n'y a pas que de la saucisse de Lyon. Et tu vas avoir juste ce qu'il faut. Oui. Ben, c'est parfait. Voilà. Et voilà. Alors, normalement, on couvre bien tout. Là, il se trouve que je me suis fait des sandwichs. Et voilà. C'est pareil, on a toujours d'avance. Non, mais vous savez comment on fait. Voilà. Hop. Voilà. Ah ben, écoutez. Je rappelle que mes mains sont propres, hein, donc cher troll la ferme. Hein. Voilà. Voilà. Donc vous couvrez bien. Bon, là, voilà. Donc vous retournez comme ça, regardez bien. Et vous roulez. Voilà. Alors je vous en ferai, vous verrez avec le saumon, ça marche aussi très bien, c'est très bon. Voilà, oui, là je vous fais marcette à la ombre. Hein. Paul Éric, c'est autre chose. Moi je mets jambon ou saumon. Mais il aime bien la mienne aussi. Et demain je vous ferai. Alors peut-être pas la soupe. Parce que demain, je vais faire une salade Benedicta. Donc, je vous montrerai ce que c'est. Voilà. Donc, ensuite... Tu mets ça dessus. Dessus. Laissez au-dessus, mon ami. Hein? Mon amour, tu peux le laisser dessus, le mettre au four directement comme ça. C'est du papier... Ah bon? Oui. Voilà. C'est du papier sulfuré. C'est tout. D'accord. T'as pas besoin de l'enrouler. D'accord. Voilà. T'as pas besoin de le mettre sur l'assiette. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai tout fait tomber. Voilà. Et vous le mettez... Non, au four, là. Tu non, là. Tu le mets au micro-ondes? Oui. Bon, elle le met au micro-ondes. Alors, moi, je vais vous dire, je le mets au four, normal. Ça cuit tout doucement et c'est bien mieux. Mm. Bon, là, c'est parce qu'elle veut que ce soit vite fait. Alors, ça va aussi au micro-ondes. Bah, vu l'heure, mon amour, oui. Mm. Donc, je vous ferai la variante au saumon fumé. Vous verrez, c'est la même chose, sauf que moi, je mets au four. Je fais cuire doucement. Alors, je vous dis à dans 3 minutes, dès que c'est cuit, et je vous montre. Ce sera plus en 3 minutes. Oui, à tout de suite. Bonsoir. Ok, à tout de suite. Suite de la recette. Alors, donc l'entrée va cuire, terminer de cuire encore. Hop, hop. Bon, tu veux quoi dans ton omelette, mon amour? Je te mets de tout? Ben oui. Elle est cannibale, hein? Oui. Voilà. Alors, cannibale, pourquoi? Parce qu'il y a un steak haché par omelette. Par personne. Oui, par omelette. Par personne. Ah oui, tu fais une omelette? D'accord, donc c'est une omelette par personne. Voilà. Voilà. Voilà, donc je fais comme ça, vous voyez. On voit bien? Oui. Juste une précision, là, ce n'est pas des steaks frais que j'ai achetés, que j'ai congelés, parce que j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé que par deux, ça fait un peu cher, alors que moi, je prends par 8. Je vous assure si après ça, vous avez encore faim, on ne peut plus rien pour vous. Mais ce sont des steaks, je précise, donc 15% matière grasse, entre 5 et 15, et 100% bœuf. Voilà. Ça se voit parce que j'en ai fait cuire hier et il y a plein de sang quand on les décongèle en fait. D'accord. On peut voir ici la réserve de viande. Voilà. Donc ça, c'est mon assiette. La deuxième. Et la minute, oui. Oui. Ah, vous avez vu le monde qu'il y a. Ah non, non, Frésia. Non, non. Non, non, ma grande. Non, 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 non. Voilà. Oui, ma capucine. Tu sors pas à cette heure-là, ma capucine. Voilà. Combien de merguez dans ton omelette? Une. Tu sais que je suis pas très merguez. Moi. Voilà. Donc une seule, hein. Donc moi, chez ma gourmande, c'est deux.
Bah, tu m'en mets pas. Ça sera aussi bien. Bah, pourquoi? Bah, parce que moi, j'aime pas les merguez. Hein. Enfin, c'est pas vraiment pas mon truc. Hein. Mais vous pouvez remacer par autre chose. Hein, par voilà, par la chipolata. Fraisien. Je vais te virer, Fraisien. Hein. Tu sais que tu fais pas non, ça, David. Fraisien. Ah, je vous dis pas. Allez, ça suffit. Hein. Capucine, pareil. Moi qui me fatigue à tout nettoyer. Mademoiselle. Alors, ils font ça parce que je suis en train de les habituer à manger de la viande vraie et pas des boîtes. Et je commence déjà en attendant le... Oui, ce que tu avais expliqué, réexplique-leur le congélateur. Oui, vous savez que dans les boîtes qu'on achète, il y a entre 4 et 14% de viande. Or, ce sont des carnivores. C'est ce qui explique que les vétérinaires observent de plus en plus de chats qui meurent entre 5 et 10 ans parce que c'est pas bon du tout. Non, donc j'ai récupéré des recettes, je vous en parlerai sur internet, sauf que moi je mettrais, ils mettent 40-50% de viande, non. Moi je suis désolé, je monterai à 70, parce que encore une fois ce sont des carnivores, ça suffit, allez. Vous savez très bien que vous n'êtes pas là quand on fait de la cuisine, à part en assistant, donc assis sur la poubelle sagement. Voilà. Donc, comme je vous dis, après ça, si vous avez faim, on ne peut plus rien, vous avez le ver solitaire. Hein. Mmh. Ensuite, il y a des dés de jambon. Donc, je vais en mettre plus à mon homme, puisqu'il n'a pas voulu une merguez. C'est pour ça que je l'appelle cannibale. Hein. Il y a plusieurs sortes de viande. Alors, je prends beaucoup plus de dés de jambon que de morceaux de lard. Oh. Pour la bonne raison que le lard, je préfère l'acheter chez le boucher. Voilà, je sais comment il est fait. Voilà. Donc, je prends essentiellement des dés de jambon ou des dés de poulet, ce qui est le même prix moi, que le lard. Je vais en mettre un peu moins. Et voilà. Ça me permet de mettre moins de graisse. Alors, par exemple, quand je vais faire des tomates farcies, je vous montrerai la recette et que je mets du lard pour parfumer le riz. Mm-hmm. Là, je mets vraiment du lard. Mais je ne mets pas d'huile, du coup, dans les tomates farcies. Je mets un fond d'eau, du riz, et je mets le lard. Après, les légumes donnent... Par contre, si je mets, si je mettais des dés de jambon, mais le lard parfume plus, je mettrais de l'huile. Mm. Voilà. Alors, je précise quand même, parce que je connais les trolls qui vont dire qu'elle fait que bouffer et tout, je ne mange pas le midi, hein, quasiment rien. Donc, voilà. C'est même pire que ça, c'est que je fais de la confiture, mais elle mange quasiment pas le matin non plus. Oh. C'est vrai. Alors, je sors deux poils. Elle fait en gros un repas par jour. Et c'est pas toujours le cas. Et on va celle-là. Voilà. Donc. Ça, c'est ma soupière. J'ai trois tailles de soupière, suivant combien on est. Ma petite Fraisia, tu me stresses. Là, on voit une jolie mimine. Voilà, maman vous a mis un peu de trucs. Voilà. Donc, il y en aura une là. Voilà. Pardon. Alors, un peu d'huile, un tout petit peu. Hop. Pardon, mon amour. Voilà, donc vous mettez... Oui, Calypso. Oui, qu'il y a du monde. Un peu d'huile pour faire revenir la viande. Alors, voilà. Je dis bien un peu. Hein. Je vais montrer un petit peu ce que ça donne. Voilà. Alors, chez vous, vous mettez le ventilateur. C'est vrai que nous, on le met pas parce que ça fait du bruit. Sinon, ça fait du bruit. Pour ça qu'on va couper pendant la cuisson. Voilà. Ça, c'est pour mon homme. Voilà, donc ça, et voilà. Ça va aller gentil. Bon. Alors, j'ai juste pas mettre le ventil tout de suite pour vous montrer comment je... Je file n'importe quoi, en plus. Voilà. Voilà, donc vous voyez, voilà, vous tournez jusqu'à ce que ce soit, voilà. Et je vous dis à tout de suite, on vous montrera quand c'est cuit. Voilà, parce qu'on va mettre le ventil. On va rajouter des petits champignons pour l'omelette. Champignons de Paris,
Bon, c'est moi, là, c'est moi qui les ai pris, donc je prends toujours des grands. Mm-hmm. Donc, vous savez que un champignon, en fait, ne se lave pas. Hein, on enlève simplement l'écorce comme ça, facilement. Je vous rappelle qu'un champignon n'est pas une plante. C'est pas un animal. C'est, mm-hmm. C'est les deux à la fois. Hein, c'est majoritairement un animal. Et ça doit être autour de 60% un animal et 50% une plante. Voilà. Voilà. Je pense que c'est pas. Alors je prends ces tailles-là parce que quand je fais des champignons farcis, ils sont déjà assez grands. Ce ne sont pas les champignons farcis comme on va faire par exemple dans la Sarthe, etc. Où là, le champignon farci sert de plat principal. Moi, j'ai fait en entrée, donc je prends des champignons plus petits. Et les champignons qu'ils utilisent, eux, là-bas, s'appellent les galipèdes. Voilà, qui sont des très très grands champignons et vous en avez un par assiette, c'est suffisant. Et on peut les farcir à diverses choses, aux escargots, au fromage de chèvre, au rillé de Dumont, évidemment, voilà, c'est la spécialité là-bas. Voilà, vous voyez, quand vous avez tout enlevé. Voilà. Voilà, ils sont magnifiques. Moi, j'adore les manger crus. Oui, c'est vrai. Évidemment, je les mets tout à la fin, une fois que c'est cuit, la viande, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre autant les champignons. Voilà, c'est et gourmand. Ça cuit très vite. Et je vous rappelle que les champignons, c'est la partie du mycélium qui correspond à Capucine. À l'appareil sexuel. Voilà, il se reproduit comme une plante. Hein. Voilà. Le mycélium est en sous-terre sur des dizaines de mètres, hein, puisque 96% des arbres ont besoin des mycéliums pour pouvoir vivre. 96% des arbres de la planète. Vous voyez, je suis très rapide. Hein. Capucine, tu descends. Voilà. Capucine, allez, allez. Capucine. Allez, ma puce. Allez, va. Sans faire tomber. Tu vas voir, il va y avoir les crânes. Ah, ils ont des chats, ces crânes. Ben non, c'est propre, on nettoie bien. Hein. On désinfecte tout, ça nettoie. J'ai déjà tout lavé, la planche et tout. Voilà. Et le temps que j'ai coupé, comme ils étaient montés sur la table, j'ai renettoyé au sanitole. Je ne laisse rien passer. Nous ne laissons rien passer. Merci. Alors, je lui dis, c'est uniquement parce que les anciens ne font pas ça, mais comme eux, je les habitue déjà à manger de la viande et tout, c'est vrai que du coup, ils sont assez insupportables. Bon, et non, mais il faut dire aussi que je suis un peu coupable de leur donner des gourmandises pendant que je mange. Il faut quand même admettre. Alors moi, je leur donne ce qu'on ne mange pas. C'est-à-dire que quand je vais faire le tri, par exemple, dans j'ai du mal à leur dire non. La dinde que j'achète, etc. Quand je vais faire le tri, je vais leur en donner. Alors, pas que de la graisse. Mais quand vous coupez, il y a toujours des morceaux de viande qui vont avec la graisse. Donc, je vais passer un peu plus de temps pour enlever que la graisse. Voilà. Et je leur donne ça, ils adorent. Voilà. Donc, c'est coupé comme ça. Je vous dis à tout de suite pourquoi je les mets dans la poêle. Voilà. Donc, vous voyez, c'est cuit. Ah oui, moi c'est cuit très vite. Hein. Voilà, c'est pas long. Hein. Donc, ensuite, donc mes mains sont propres, hein, rassurez-vous. Je rajoute en dernier les champignons parce qu'il n'y a pas besoin. Voilà, c'est juste pour relever le goût. Mais des champignons ? Hein ? Mais que des champignons. Bah oui, il y a la viande et. Pourquoi tu. D'accord, non, c'est pour savoir, pour préciser. Ah oui, pour préciser. Ah oui, d'accord. Oui, à la fin, c'est que les champignons. Il en reste encore un petit peu. Voilà, vous retournez. Même pas 2 minutes, hein, parce que le champignon n'a pas besoin. Il y a l'omelette qui va cuire dessus. Enfin, des œufs brouillés, hein, c'est une omelette à la ambre, hein, comme je dis toujours. Oui. Vous verrez que quand Eric fera son omelette, vous verrez que ça sera encore autre chose. Oui, parce que moi je mets du lait, etc. Mais mon épouse, c'est vraiment des œufs brouillés, en fait. Voilà. Je vous dis à tout de suite pour quand on met les œufs dessus. Attends, vas-y, reprends. Voilà, alors voilà. Mon homme veut que 2 œufs. Voilà. On prend un œuf, alors attendez, parce que j'ai fait une petite bêtise. Voilà. Le deuxième. Et là, c'est bon. Bon, moi, j'en prends un peu plus. Je ne mange pas le midi, donc. Ma puce. Capucine. Non, c'est Fraisia, là. Ah, c'est Fraisia ? Oui. Ah, t'es là, ma Capucine.
Alors, moi, je mets du sel poivre. Mon amour, lui, ne sale pas et poivre pas. Non. Voilà. Par contre, tu peux mettre de la ciboulette. Donc, ça, c'est à la guise de chacun. Tu peux mettre de la ciboulette, oui, et du persil, si tu veux. Voilà. Je vais rallumer parce que je vois que ça crame. Voilà. Et donc moi, je me mets. Alors. Tu fais quoi? Le sel et le poivre. Mais devant toi. Alors le ah oui, oui, oui. Poivre. Sel, c'est le truc rouge. Hein. Et. Donc, on a les trois poivres. Hein. Là, je prends du poivre noir pour les œufs. Toi, tu veux quoi, mon amour? Poivre blanc, gris et noir. Voilà. Ciboulette et persil. Voilà. Ah oui, alors moi, je suis une tunisienne, hein, donc voilà, j'aime bien. Alors, ça, c'est dans une petite boîte. Quand la boîte en sel en carton, le fond foire. Hein. Ce qui est arrivé, donc. Voilà. Tac, 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 tac. Hop. Et toi alors? Ciboulette et persil. Et persil. Alors, persil. Ici. Hop. Ciboulette, c'est. Ça, c'est l'estragon. Ciboulette, c'est là. Voilà. Bon, c'est familial, hein. On fait simple. Hein. On n'est pas Philippe et je te beste. Mais au moins, on vous donne des petites idées. Et. Ciboulette. Ciboulette. Mmh. J'avoue. Alors, j'ai essayé de récupérer les pieds naturels, voilà, que j'ai vus l'année dernière. Je sais à peu près où ils sont. Et les déterrer. Vous savez que la ciboulette, c'est des oignons. Hein. Donc, ça, c'est facile. Ça pousse aussi bien par les graines que par les oignons, comme pour tout ce qui est oignon. Hein. Voilà. Alors, ensuite, évidemment. On mélange. On brouille un peu. Hein. Je vais prendre un autre fouet pour mon homme pour que le goût du poivre ne se mélange pas dans son omelette. Ou tu le rinces. Ou je le rince, oui. Voilà. Et voilà, je vous dis à tout de suite pourquoi je les pose. Oula, je fais tomber. Pourquoi c'est je parti les pour pose la suite. La voilà. Donc là, c'est ma poêle. Donc vous voyez, vous recouvrez. Voilà. Celle de mon homme. Je rajoute du bon gruyère. Donc alors moi je suis très gourmande de gruyère. Voilà. Donc vous recouvrez, hein, suivant, vous mettez la dose que vous voulez. Hein. Ne copiez pas si vous ne voulez pas en mettre autant, parce que moi, encore une fois, je ne mange pas le midi. Hein, ou très peu. Un fruit, un. Tu me dis stop, mon amour. J'en ai assez. T'es sûr? Oui. Non, je te mets encore un peu. Voilà. Oui, mon caddie. Et voilà, dès que c'est cuit, on le met sur l'assiette. Et voilà, l'apéritif est cuit. Donc, alors, mon amour va. Alors, vous voyez, l'avantage de mettre dans un four normal, c'est qu'il serait doré. Voilà, c'est tout. On va couper. J'ai peut-être fait trop cuit. Je te l'avais dit. Ouais. Je t'ai fait trop près.
Voilà ce que ça donne. Alors, j'ai pas le bon couteau parce que j'ai pas tout retrouvé mes couteaux. Alors, je me demande si j'ai pas avec l'autre si ça va mieux aller. Alors, voilà. L'intérieur est un peu moelleux. Mais là, il est. Voilà. Bien croustillant, on va dire. Là, il est croustillant. Mais après, vous le cuisez à votre guise. Hein. Je suis en train de me brûler. Oui, attends, peut-être pour la suite. En tout cas, on a montré que tu coupais. Voilà, donc je voilà, vous coupez comme ça. Voilà. Oui, c'est de la pâte feuilletée. Hein. Voilà. Et normalement, ça servira en tranche. Donc, bon. Bon. Vous montrerez, reste tout à l'heure couper. Voilà. Et voilà, à tout de suite. Mes petites elfes, l'omelette de Paul Éric. Pardon. Et la mienne. Voilà, donc vous voyez, si avec ça, vous avez faim. Et voilà, et Paul Éric l'a coupé. Donc évidemment, là, il a fait un peu trop cuire. Moi, au micro-ondes, je le mets moins longtemps, pas plus de 6 minutes. Mais bon, c'est pas grave, c'est croustillant, c'est bon quand même. Hein. Voilà, donc au four, vous le mettez 15 minutes. Au micro-ondes, pas plus de 6, d'accord? Et on vous souhaite un bon appétit. Bisous.